Alors, non seulement on est dans le royaume de la bouffe, mais on est aussi dans le royaume du trial, parce qu'aujourd'hui c'est le championnat du monde, manche française. Oh, j'y vais, je suis en retard. Tu veux pas continuer alors? Non, j'en ai pris un bout, c'est bon. Salut, bonne chance! Thierry Michoud est donc parti vers son destin. Et pour l'instant, ça marche bien. Il est en tête du championnat du monde avec 22 points d'avance. Mais derrière, il y a du beau monde. Saunders, Tarès et le Belge, Eddy Lejeune. Voilà Jordi Tarès, une sorte d'acrobate infernal. Ce qu'en dit Michaud, il a dit très exactement, et en plus, il est jaune. Tarès est le champion du monde en titre. Pour l'instant, il est troisième au général. Saunders, champion d'Angleterre, récent vainqueur des 6 jours d'Écosse, deuxième au classement général derrière Michaud. Attention à la perfide Albion. Quant à Eddy Lejeune, cette année, ça marche moyennement. Il a quitté Honda pour la marque espagnole Merlin. Sixième au général, Monsieur Lejeune. 88 serait donc votre chemin de croix? Pas vraiment, je pense pas, parce que l'année dernière, j'étais encore plus mauvais. Disons que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me suis cassé le pied, je me suis cassé le poignet. Et c'est vrai que quand on arrête 2 ou 3 mois, il est dur de revenir dans le coup. En plus, j'ai eu un changement de moto. J'avais roulé 10 ans sur un 4 temps, maintenant sur un 2 temps. Tout ça, c'est pour la même année. C'est difficile de revenir dans le coup. En plus, je deviens vieux. Pourquoi est-ce que vous avez changé de moto? Il y a 3 bonnes raisons. Honda a arrêté. La deuxième raison, leur moto n'était plus assez performante. Et la troisième raison, ils payaient plus assez bien. Le Grand Prix de France de trial se déroule en ce moment à Montbrison, près de Saint-Étienne. Michaud va jouer une fois de plus son 20 août. On en reparlera. Les résultats ce soir, les images mercredi dans Minuit Sport et dans 15 jours sur Automoto. Allez Michaud, on garde la tête haute.